C'est une rencontre de portée capitale qui a réuni l'ensemble des acteurs du secteur de la mer autour de la problématique liée à la lutte contre la piraterie maritime. Le présent atelier national consacré à la lutte contre ce fléau grandissant, placé sous l'égide du Conseil national de la mer et de ses partenaires, a pour objectif d'élaborer les actions urgentes et efficaces en vue de renforcer le système de sécurité sur l'espace marin. Le format du présent atelier participe d'une consultation inclusive des acteurs du secteur maritime, conformément aux très hautes instructions de M. le Président de la République, qui a toujours su appréhender de manière lucide et réaliste la lancinante problématique de l'insécurité maritime, ainsi que les divers fléaux qui lui sont associés. Depuis 2010, le golfe de Guinée connaît la recrudescence de la criminalité maritime. Le ministre d'État à l'Intérieur est revenu sur le rôle joué par les forces de défense et de sécurité dans le processus de sécurisation. L'océan est un espace complexe, mais également un espace qui unit les peuples. Et sa sécurité ainsi que sa préservation est une question qui nous concerne tous. Comment lutter contre la piraterie et le trafic illicite? Comment gérer l'accès aux ressources et leur exploitation? Comment créer un espace économique bleu qui puisse profiter à nos populations tout en garantissant la protection de l'environnement et de l'écosystème? Au cours de cette cérémonie, le volet relatif à la protection de l'environnement dans la lutte contre ce phénomène a été relevé par le ministre des Eaux et des Forêts. Les solutions ne doivent pas seulement s'orienter sur l'ex-militaire. Il s'agit aussi de définir nos frontières maritimes, de préserver l'environnement marin et nos écosystèmes aquatiques, de lutter contre la pollution maritime et de promouvoir une véritable économie bleu durable. La lutte contre la piraterie maritime comporte plusieurs enjeux, tant sur l'échelle nationale que régionale. La présente rencontre s'articulera autour de trois thèmes: la défense de l'espace maritime, la surveillance des activités maritimes ainsi que la sécurisation des infrastructures et la préservation de l'environnement marin. À l'issue de cette rencontre, un document stratégique sera mis sur pied pour combattre ce fléau.